Dans le sillon du phénomène Resident Evil, de nombreux éditeurs vont chercher à proposer leur propre survival horror. À l'automne 1998, alors que la Dreamcast est sur le point d'arriver au Japon, Sega lance le dernier jeu de la Saturn en Europe. Intitulé Deep Fear et reprenant toutes les ficelles et mécaniques du titre de Capcom, il distille une ambiance oppressante et vient clôturer la carrière d'une console appréciée mais délaissée. La sortie de Deep Fear a failli être annulée, mais sa qualité a convaincu les dirigeants de Sega de lui laisser sa chance. Grand bien leur en a pris. S'il est similaire à Resident Evil sur le plan ludique, Deep Fear se distingue fortement de son modèle au niveau de l'histoire. Un objet volant non identifié s'abîme dans les profondeurs de l'océan Pacifique et un sous-marin nucléaire, le Seafox, est dépêché au point d'impact afin de ramener l'appareil jusqu'à une base sous-marine appelée Big Table. L'opération se passe bien et le vaisseau est acheminé à bon port, mais très vite le contact est rompu avec les membres de l'équipage tandis que les missiles nucléaires sont soudainement armés. La situation est critique, et c'est aux joueurs, dans la peau d'un dénommé John Mayer, de régler le problème. Tout comme le hit de Capcom, et avant lui Alone in the Dark, Deep Fear propose une aventure à base de caméras fixes et de personnages en 3D que l'on déplace dans des environnements précalculés. Mais comparé à son modèle, le jeu de Sega instaure une ambiance encore plus claustrophobe, où s'enchaînent des événements faisant accélérer le palpitant. En matière de gameplay, on navigue, c'est le cas de le dire, en territoire connu. Les déplacements sont calqués sur ceux de Resident Evil, et les personnages sont tout aussi rigides. Les combats sont également dans le même esprit que ceux du titre de Capcom, mais on note tout de même quelques différences. Une visée automatique est disponible et il est possible de tirer tout en courant. La progression quant à elle est classique, avec ses dizaines de salles à explorer, entre lesquelles le joueur devra faire de nombreux allers-retours, ses objets à découvrir, ses mécanismes à activer et ses énigmes à résoudre. Deep Fear ne réinvente pas le genre, mais s'appuie sur son background pour créer de la tension et pousser le joueur à s'agripper à sa manette. On note également quelques idées très intéressantes. Comme l'action se passe sous l'eau, les développeurs ont intégré la notion d'oxygène et d'inondation. Il n'est pas rare que certaines salles soient immergées, et le joueur devra fréquemment utiliser des capsules d'oxygène pour rendre des pièces respirables. La plus grosse différence avec Resident Evil vient de la profusion des munitions et des trousses de soins. Deep Fear est beaucoup plus facile que son modèle, et on progresse sans aucune résistance ou presque, en profitant d'une ambiance accrocheuse et immersive. Et paradoxalement, c'est de ce manque de challenge que le jeu tire sa force, dans le sens où on a l'impression d'assister à un film, tout en massacrant des créatures étranges à l'aide d'un arsenal de plus en plus efficace. Réalisé par le studio AM7 avec la participation de System Sacom, Deep Fear a été conçu avec les dernières librairies de développement de la Saturn et profite des dernières avancées en matière de programmation sur le support. Si les cinématiques et les voix en anglais sont caricaturales au possible, les environnements en 3D se révèlent étonnamment variés et convaincants. La 3D est fine, les décors sont détaillés et la mise en scène a fait l'objet d'un grand soin. Cette précision se retrouve dans les effets de lumière et les animations, même si les monstres et les boss sont parfois un peu grossiers. Il faut également signaler la justesse des musiques, souvent discrètes, de Kawai Kenji, compositeur entre autres de la formidable bande-son du film Ghost in the Shell. Inspiré par les films Abyss et Léviathan, Deep Fear n'a pas eu le succès escompté. Bien conscient que la Saturn était en perdition, Sega n'a pas jugé bon de presser un grand nombre d'exemplaires. C'est dommage car le jeu, avec ses ressources en air limitées et son ambiance oppressante, propose une aventure franchement réussie. Bien que court et trop facile, le titre de l'équipe AM7 est assurément l'une des valeurs sûres de la Saturn. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur ce jeu que Jaleco donnera naissance en 2000 à Carrier, un successeur spirituel dont l'action se déroule sur un porte-avions. Mais ce sera le sujet d'un prochain Retro & Magic.